Bonjour à tous mesdames et messieurs, c'est Oscur pour une autre vidéo et on se retrouve aujourd'hui parce que il y a la suite. Il y a la suite du pass saisonnier, je reviens donc, on est enfin en 2021, bonne année à tous. Il nous reste 34 jours avant la fin du pass. Et nous avons une nouvelle quête à notre disposition dans la côte enchevêtrée. Alors je vais parler un petit peu moins fort parce qu'il est 5h, 6h30, non 7h, bon, ok c'est 7h. Mais personne n'est réveillé chez WAM, donc on va parler un peu moins fort. Mais de toute façon... Normalement, j'ai augmenté le volume. Je vais augmenter le volume, tiens, d'ailleurs, encore. Comme ça, vous m'entendrez encore mieux. Et moi, j'aurai moins besoin de parler fort. J'avoue que sinon, ça va me faire chier. De toute façon, voilà, vous avez le son du jeu. Parfait. Je vais le baisser un tout petit peu parce que je préfère, quitte à ce que le son soit pas assez fort. Je préfère que le son soit pas assez fort plutôt qu'il soit trop fort, si vous voulez. Parce que s'il est trop fort, vraiment, ça nique la VOD. En parlant de ça... Allez, on va le descendre encore un peu. On va voir ce que c'est bon au bout d'un moment. Merde. Ah. Ok. Alors, il est fort pour WAM aussi. Donc ça, ça fait plaisir. On va se mettre à 3. Et à 4 pour les cinématiques. Ça, c'est parfait, ça. Je pense qu'on est bien là, comme ça. Mais on peut peut-être augmenter un petit peu pour vous. Parfait. Voilà. Donc, on doit aller voir là-bas. Alors regardez d'ailleurs, juste avant d'aller voir un petit peu tout ce bordel, j'ai une épée. Regardez-moi cette magnifique armure incroyable. Alors pour le casque, c'est le casque de, bien évidemment le casque de exotique. Donc je sais même plus comment il s'appelle. La couronne des tempêtes, pas la tempête des couronnes, la couronne des tempêtes. Et le reste c'est les ornements du pass. Quelle puissance incroyable, sachant qu'en plus je les ai en bleu pour que ça matche avec l'arme exotique, mais je pourrais le laisser en rouge. Parce que c'est quand même assez intéressant. C'est incroyable à quel point les sons des effets spéciaux me semblent encore trop forts. Ouais, un peu trop fort. Mais bon. C'est le début, c'est le mixage. Je vais baisser le son chez moi. Vous savez. Et ça devrait aller. Ah oui, alors par contre, on a les voix en jap. Par contre, on a les voix en jap. Comment est-ce que je... Est-ce que je peux... Ah ben non, mais bon, c'est chiant pour vous. Si, allez, vous savez quoi? Ce sera un let's play unique sur YouTube. J'ai les voix en jap. Donc, bon, de toute façon, le corbeau, il parle jamais. Le corbeau tripote des gadgets pour son établi. Ok, donc nous sommes sur le point de porter le coup de grâce. J'ai pisté le haut cérébran jusqu'à la cité des rêves, mais l'appât doit être amélioré une dernière fois pour que nous puissions agir. Le porteur de lumière tient une étrange babiole et l'examine de près. La voilà la dernière pièce. Ça va, on n'a pas besoin d'aller la rechercher. Il nous adresse un sourire en coin, comme le dirait si bien l'araignée, nous y voilà. Poum. Ok, comment est-ce qu'on améliore cette horreur? Ça, je m'en fous. Alors, est-ce qu'il faut que je fasse des chasses? 100%, il va falloir que je fasse des chasses. Alors oui, mais du coup faut vraiment aller le voir lui. Faut aller le voir lui, donc c'est comme ça qu'on l'améliore. Comment on l'améliore ça? Faut que j'aille le voir, donc c'est ici. C'est là? Ah oui c'est ça. Heureusement que j'ai augmenté suffisamment mon niveau. Ok, mais il reste une étape. Il faut obtenir les coordonnées du haut cérébre. Regardez par contre juste. Oh ces armes incroyables. Bon après il y a cette épée rouge dégueulasse mais...聞いたか?ついに上級執行司祭に手が届きそうだ。クロートあの男、オシリスがお前の情報を使って都市まで追跡してな。我がハンターよ、素晴らしい。まさに模範的な存在だ。俺はもったいないくらいにな。冗談だ。 だが正直に言うと、少々気になることがある。俺のペットだ。お前と対等であるかのように肩を並べ、自分をガーディアンだと思っている。は、とんだうぬぼれだ。必要以上に接触するな。夢から覚ましてやれ。上級執行司祭を殺せ。 岸辺を縛らすから解放してくれたら、ここにあるものを
Nan demo iso. Robida. N'importe quel prix. Je sens qu'il va y avoir un truc en mode on va le ramener à la on va le ramener à la tour. Et là, ça va être marrant. Ça va être marrant à voir. L'araignée satisfait votre traque des fidèles de Xivuarat les plus dévoués à payer. Le haut cérébron a été poursuivi jusque dans la cité des rêves et vous avez désormais de quoi mettre fin à son règne de terreur. Voyez jusqu'à la cité des rêves et éliminez le haut cérébron. Et bah cette petite part, mesdames et messieurs. Mission de coup de grâce. En vrai, les voix jap sont stylées. Il y a certains doubleurs que je préfère. Oh fuck. Oh putain. On va se poiler. Ah, il faut que je configure ça, alors on est d'accord. Oui, le haut cérébrin. Le mode permet à la patte d'attirer le haut cérébrin en menant des courroucéens. Fond. Fond. Une armure plus qu'un courroucéen, on va mettre dessus. Fond. Et ben maintenant, mesdames et messieurs, nous avons plus qu'une seule chose à faire. C'est lui mettre sa grosse race, pas ici, dans la cité des rêves. Mettons-lui sa grosse race. Coopération, espace, escouade. Mais par contre, je pense qu'il n'y a pas de matchmaking. Donc on s'en fout. On s'en fout un peu. Je vais me baisser un petit peu ma voix quand même, parce que des fois je suis dans les oranges et vous savez comment j'aime pas les oranges. Lol. Non, mais je suis dans les oranges en termes de volume. Donc on sait pas. Putain. On est à combien? 1237. Alors, ça c'est à cause d'une arme en particulier, ça. Ça doit être un truc qui me... Ah oui, c'est ça. Ok. Alors. Ah, attendez. Deux secondes. Oui, il est... Ok. わかりました。執行死体を倒せば欠席もなくなり、欠席がなければラスボーンもいなくなるというわけですね。 彼女が軍勢なしで私たちと戦えるのか、見物ですね。クロウ、聞こえますか？なんとかな。執行司祭を追って渦巻く暗黒へと繋がるポータルを通った。悪海の入り口です。行った通り、渦巻く暗黒だ。奴のやり方が分かってきた。どのように空間と空間の間を渡り歩いているのかもな。黒い溝を切り裂くサメのような動きだ。目を離さないでください。はい。それくらい問題ない。 Fomp. Ok, là tout de suite on est sur. Alors attendez, par contre vite fait, vu que tout est rouge, ce que je peux faire, c'est que je peux vous montrer un petit peu comment l'armure se fait. En rouge. Alors j'ai pas le casque encore, hein, c'est pour ça que je mets cet ornement là. Hop. Voilà. Et celui-là, de toute façon, je crois que je n'ai pas mis d'ornement parce que oui, ok, pas rien. Parfait. Alors toi, est-ce que je peux te mettre un truc intéressant, genre celui-là? Ouais. Oh, c'est mieux comme ça. Ça tient mieux. Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais. Par contre, on garde notre doctrine incroyable. Alors donc. Persuadé que je suis en 60 Hz, mais on va le faire ça pour. On va faire ça comme ça. Ok, non, ça bon, ça va. C'est juste que je lag. J'ai quand même. Donc, bah, on va voir l'ermitage de l'augure. Alors, bon, si vous vous rappelez un petit peu de comment est-ce que ça se fait, hein, la chasse, normalement, j'ai upload les vidéos un peu en retard sur YouTube. Donc, normalement, vous devez pas être dépaysé si vous regardez les vidéos au fur et à mesure. Mais, c'est pas comme ça. On n'avait pas un truc à faire avant, mais de toute façon c'est une mission pour terminer, je pense. Je pense que c'est pas non plus quelque chose d'extrêmement semblable à ce qu'on avait fait avant. C'est bien d'avoir une diversité de gameplay pour la mission finale. C'est pas que ce soit juste chasse numéro 451, mais cette fois-ci... Oh, vous avez fini le jeu, bien ouais. Comment est-ce que je te tue, toi? Parce que j'ai la flemme de... Oh, allez. Oh non, finalement non, j'ai la flemme. Ah, oh, j'ai encore plus la flemme de vider, en fait. Et elle se cache. Pas très sympa ça. Elle se cache. Je pensais pas qu'elle se cacherait à ce point. Ah mais c'est, attendez, mais c'est l'aperçu en fait qui me fait laguer. Mais bien sûr. Bien sûr que c'est l'aperçu qui me fait laguer. C'est pour ça. N'hésitez pas à désactiver l'aperçu dans OBS Studio si vous en avez plus besoin, que vous savez que tout marche bien, parce que ça fait gagner énormément de performance. Donc le voilà.
Il est pas différent des autres, hein. C'est juste que là on va placer l'appât, mais l'appât est très différent. Ok, putain il parle. Ah bah c'est lui. Ah bah c'est plus lui. Ah salut. Alors, on fait pas énormément de dégâts. Attends, il a perdu un pixel ou pas? Alors attendez. Là, autant utiliser notre sniper à son plein potentiel, s'il vous plaît. comment expliquer là? Il perd pas d'HP, les gars. Ah, ok. Ouais, là, il perd plus d'HP là. Il s'est cassé. Oh, bonjour. Alors où est-ce qu'il est? Ah, d'accord. Énergie résiduelle. Ouais, c'était bien. Ah oui, en effet, on est bien dans le plan ascendant, oui. Et bien, mesdames et messieurs. Donc là on est dans le territoire de Xivorat là. J'ai pas de dash, faut que je m'en souvienne. Putain la défense quoi. Ah. Oh putain. Ah, c'est le meilleur moyen qu'ils soient attaqués et qu'on puisse rien faire. Non, c'est nous. Ouais, j'avoue qu'un moins 42 par balle, on va s'amuser. Hein. Ah bah tiens. Wow. Alors, donc des déchus donc. Bon, de toute façon c'est des déchus. Contre lui, il va pisser les couilles un peu lui. Bah, il détruit ma race hein. Je vais essayer de le vestir quand même. Hein. Même si je suis dans un... Oh non, tu fais chier. Oh non, tu fais chier là. Oh là. T'es un surchargé, t'es un champion, c'est ça? Alors, dis-moi monsieur. Hein. Ouais. Alors attendez, parce que là, c'est pas prêt. Je savais. Ah non, d'accord. Par contre, je me fais éclater le boule, hein. Éclater le boule, hein. C'est chaud. Hein. C'est très très mal ce bâtard. Oh, je rejoignais mon allié, bien sûr. Okay. Bonjour. Excusez-moi. Excusez-moi. C'est pas des ennemis puissants hors de mon chemin. Attendez, mais ça c'est vicieux, ça. C'est vicieux, ça foutre un sniper dans la fumée de la traque là. Vous avez rejoué à votre jeu avant de le... On a l'impression que c'est le détail qu'ils ont ajouté à la fin. Mais ils se rendaient pas compte que le nuage le cachait. Putain, en fait, je peux juste me casser. Merde, y'a des pistes. J'ai oublié. En mode, attendez, mais j'avance, mais y'a rien là. Où est-ce que je suis censé aller? Est-ce que j'allais pas? Ah, bah voilà. Là c'est là où je dois aller. La preuve, y'a des ennemis. Alors là, par contre, ouais. Ça saccade un peu quand même, sa mère. Est-ce que c'est parce que je me suis pas trompé de mode d'écran? C'est ça qui est chiant. Aussi. Selon le mode, ça peut laguer. Oh non, pas un champion, non! Ah non, ça c'est pas très drôle ça. Ah non. Ah non, c'est pas très drôle du tout. Oh là là.
via impulsion. Oh, c'est vraiment chiant ça. Oh, je l'ai enlevé le. Bon. Ça devrait être bien ça. Excusez-moi, monsieur, mais vous faites chier un peu là. Ouais, c'est bien ça. Ouais, ouais. Non, mais sérieusement là, sans deck. Les champions. Ah, bonjour. Ah, je m'attends pas à ce que le la personne sur qui je toque soit là direct à la porte quand elle s'ouvre. Alors que normalement c'est une convention, hein, mais là j'avoue que j'avais pas l'impression qu'on rentrait chez lui quoi. Bonjour. Ah, bonjour. Oui, je dois, bah, je vais me casser là pour le coup. Ah, bonjour. Je suis déchargé. Au secours. Ouais, mais il fait chier lui. Ah bah non. Ah, j'ai oublié. Mes amis. Ah. Non, oui, par là, je suppose. Ah, et pourquoi il faut que ce soit si haut? Fuck. Atteignez le portail, bah oui, atteignez le portail, oui. Ah. Oh, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Oh, qu'est-ce qu'on s'emmerde. Ah, oh, putain, ces plateformes étaient dissimulées depuis tout ce temps. Ça va. Quand il s'agit des plateformes horizontales, normalement, en arcaniste, on est yimbe. J'arrive. Oh, il va pas crever une deuxième fois, le con. Bonjour. Bonjour. Je vais aller où? Vraiment qu'il y a des fils de chiens comme ça. Alors. Non mais ta race en fait. Oh fuck. Je crois que je peux y aller mais ouais non ça va. Non mais j'ai pas confiance en moi. Non, ça touche quand même, ok intéressant. Ok. Je m'ajusterai en conséquence. Je glisse. Pas très sympa. Pas très sympa. Déjà que je vois rien. Salut. J'ai même pas eu besoin d'utiliser. Ah. Ah non. Au moins que j'ai déjà suffisamment de munitions. Ouais, j'en ai suffisamment. C'est vrai qu'il faudrait que je lui tape. Mais le problème c'est que l'épée c'est pas le meilleur. Attendez. Bah tant que j'ai une munition en fait. J'ai pas mieux là, j'ai pas une autre arme M1250 là. J'ai que des CP putain. Ça va mieux marcher comme ça. Regardez, hop. J'ai gagné 1, let's go. Non mais comme ça c'est plus adapté à la bataille. Sagira, let's go. Salut mon ami, ça va? Allez, 32 partout, on va attendre. Hein. Ah bah bonjour. C'est exactement ce que je cherchais. Allez. Ah. Il s'est barré. Oui, alors. Bien. Il bloque la sortie, une fume. Ok. Bon. Ok, parfait. Bah, il a l'air de vouloir s'enfuir là, deux secondes, hein, parce qu'ils ont, vous avez encore foutu un putain de champion, donc
Ah, c'est pas très sympa ça, monsieur. Ok. Bien, Wedge. Bien, Wedge à tous. Et bah comme ça. Le point de... Ah, il a détruit son portail de l'autre côté qu'on attendait de fuir. Incroyable. Parfait. Ah. Let's go. Bah c'était bien. Par contre on l'a vraiment achevé. Merci. Cinématique. Cinématique. S'il vous plaît. Cinématique. 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 Let's go. Monte le pro. Let's go. Ouais, mais il a toujours le détonateur, non? Let's go! La puissance! La puissance! J'aime bien quand mon perso parle! Putain, ils s'en sont enfin rendu compte après Beyond Light que les mecs se sont dit: mais attendez, mais si on s'est parlé le gardien, au lieu que ce soit le putain de spectre tout le temps. Et c'est bien, c'est parfait! C'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Bref. Et du coup, là, le but, c'est qu'on aille le remettre à la tour, là. On va le remettre à la tour en disant « Salut !» Alors oui, alors on vous rappelle peut-être de lui. Alors c'est marrant, mais... Mais en fait, faut que je parle à l'araignée. Faut que je lui reparle en lui disant « Bon... » En fait, on ne veut plus. C'est genre... En fait, on ne veut plus, donnez-moi votre meilleur exotique. Non, c'est bon, j'ai le sniper de l'arsenal sombre, c'est bon, en termes d'exotique, je suis rassasié. Allez, vite. Le fardeau d'Izanagi, comme on l'appelle. Poum. J'ai vraiment l'impression que je vais plus vite si je me bonque contre le sol comme ça. Je pense que c'est vraiment le cas. Bonjour! Un accord est un accord, conclut l'araignée. Prenez ce que vous cherchez et sortez. Conclusion, cassez-vous de chez moi. Il était pas content. Gagné. Oh, je vous teabag par derrière. Et là, on a le corbal. Bonjour. Ah, bon. Non. C'est intéressant. Bon, du coup, j'ai toutes les pièces de réputation, tout va bien. Mais du coup, t'es toujours là, toi. Tu t'en branles. Peut-être pour plus tard, mais... Et là j'ai des appâts, des charges et tout. Putain, il me fallait vraiment une charge d'appât. Oh sa mère. Oh, ça aurait pu mal se terminer cette histoire. Bref. Bon. Alors ça sert à rien. Ouais. Ok. Ouais. Ça c'est de la merde par contre. On voit pas de chance. Le premier attribut était bien quand même. C'est mon dernier mot sur cette histoire. J'ai pas un... Non ? Les récompenses là, de... non? J'étais pas censé avoir des trucs?
Peut-être que je les ai là-bas. On va voir. En tout cas, j'ai parlé au corbeau, il en a rien à foutre. Voilà, l'araignée, il a dit prenez ce que vous voulez et cassez-vous. Je suis avec lui, mais il veut pas se barrer. Bon, pas de chance. Peut-être pour la fin, peut-être pendant une semaine, un truc comme ça, je sais pas. Peut-être que ça est fixé, je sais même pas en fait quand est-ce que ça s'est. Quand est-ce que ça s'est ajouté ce truc-là. Si ça se trouve, c'est jeté il y a une semaine, mais. Je sais pas. Hein. Bref. Bon. Donc. On est reparti. Tac, tac, tac. Oh, let's go! Let's go! Hop. Et donc, du coup, tac. Oh. C'est bon, j'ai le temps. Je crois que ça fait le bruit, donc ça veut dire que j'ai le temps. Alors, c'est peut-être dans le colis. Dans le colis des postes. Non. C'est de la merde. Ça, c'est de la merde. On pourrait le faire, mais voilà. Bon. C'est de la merde, quoi. Pour l'avoir, quoi. Donc, on a la chasse sauvage ici. Donc, chasse sauvage, chasse sauvage. Ah, j'ai pas la chasse sauvage ici. Je l'ai pas non plus là. Et je l'ai pas là non plus. Ok. Non, parce qu'on va faire un truc après, histoire que de vous montrer un petit peu. Parce que bon, apparemment, ouais. J'ai rien à faire maintenant, donc. Alors. Ah, let's go, commis des postes. Ok. Bah si je peux en avoir un, ouais, bah ça va être un pistolet encore mieux que ce que celui que j'ai. J'aurais pas besoin de gaspiller une matrice d'amélioration. Alors après au niveau des stats. Alors il y a moins de maniement. Parce que j'ai mis les perks pour, je suppose. Même pas. Non, c'est vraiment, il s'est mis en maniement full, il s'est dit allez c'est parti. Ok, c'est intéressant. Bah ça peut être intéressant d'avoir un truc full maniement, donc je vais le mettre dans mon coffre. Mais ouais, pourquoi pas ça? Longue distance, ou alors, ouais, ok. Fortement le recul, ou alors, ok, très bien. Là, du coup, je peux augmenter le maniement. Ouais. D'accord. Très bien. Bon. Je vais aller voir vite fait, histoire que bon, vous donner un petit peu un avant-goût de ce qu'on a pu avoir pendant ce pass saisonnier pour l'instant. D'ailleurs, non, mais je l'ai pas encore, honnêtement. Enfin, entièrement, je veux dire. Mais pour l'instant, tac-tac. Au niveau des armures, du coup. Alors, où est la chasse sauvage? Comment avoir un ornement? Chasse sauvage. C'est chasse sauvage aussi. On l'avait déjà. Alors là, on a besoin de. La chasse sauvage. Pourquoi pas d'ailleurs, tiens, la chasse sauvage. Et avec un peu de chance. Moins que je l'ai pas vu. Ah non, je l'ai pas vu, je crois. Ok. Rien. Ok, parfait. Donc, chasse sauvage. Tac. Non, j'ai rien dit. Fuck, faut que je me revienne. De toute façon, là, globalement, on va pas faire grand-chose d'autre. Hein. On a terminé la quête. Hein. J'ai pas d'autre contenu à faire. Donc, tac. Ah oui, d'accord. J'ai des trucs stylés quand même dessus. Ok. On va le remettre en couleur par défaut. Tac, tac. Alors, chasse sauvage, j'ai déjà. Donc, chasse sauvage. Chasse sauvage. Et chasse sauvage, ok. Donc, on va enlever l'ornement. Très bien. Et on va enlever cet ornement-là pour montrer. Donc ça, c'est l'équipement qu'on a donc en arcaniste avec le pass. Bon, je vais être honnête, je pense que c'est très compliqué de trouver un un set d'armure aussi dégueulasse. Hein. Même si on garde un peu le thème en compte, c'est-à-dire le chasseur et tout machin, ça reste un peu dégueulasse. Par contre, du coup, alors certes, je peux pas, j'ai pas encore l'ornement du casque, mais on a donc cet ornement-là. Alors qui est incroyable parce que c'est des mâchoires de déchus ici. Enfin des mâchoires d'esclaves de déchus. C'est incroyable. Tellement stylé ce truc-là. Donc voilà déjà. Et on a un code couleur un peu plus intéressant. Le plus gros glow-up bien sûr. C'est ce torse. Regardez-moi ce torse. Ouais, aïe aïe. Les couleurs sont plus belles. Les textures sont plus soignées. On a des sacs. On a juste surtout. Le truc qui fait qu'on est meilleur que
au-delà de la colonne vertébrale de déchu. Et de ça aussi, je crois que ça a l'air d'être un casque de chevalier déchu. Mais là, on a aussi, regardez-moi ça, un crâne luisant, j'ai envie de dire, d'esclaves maudits. Incroyable. Incroyablement stylé. La meilleure pièce de l'armure, sans aucun doute. Et c'est l'avant-dernière, donc bon, ça fait un peu chier, mais bon. Voilà, alors là, les bottes, alors toujours un petit peu d'eau, un petit peu. Parce que les os, c'est vachement stylé pour pouvoir un peu rajouter de la cohérence au bordel. Et bien sûr, bah, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Bon, le moins bon glow-up, pour le coup, on fait la même chose, mais avec des cornes, voilà. C'est. Et du coup, derrière, on a un truc assez sympathique. Alors là, du coup, il nous manque le dernier ornement que je vais avoir là, au niveau 97. Voilà. Qui est stylé, notamment au niveau de l'espèce de... voilà, le réacteur, j'ai l'impression que j'ai à l'intérieur de moi. Et bien évidemment, bah, le code couleur qui est vachement stylax au plus. Qui rend le tout assez stylé. Bon. Niveau de l'avènement, est-ce que c'est toujours l'avènement? Est-ce que c'est toujours la guerre? Non, c'est plus l'avènement. Ok, intéressant. On a énormément de... Vous voyez toujours les interactions de ces morts. Et évidemment, le pack du visage interdit. Incroyable, bref. Qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, alors le... Ok. Et... Oh, la coque d'Izanagi. Alors celle-là... Il y a moyen que je me la prenne quand même, hein. Elle a l'air vachement stylée. Tac tac. Aïe 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 aïe. On a des trucs incroyables en style. Ah oui, alors bon. Ouais. Autant peut-être économiser pour avoir tout le set d'armure finalement. Système létal. Alors bon, là pour le coup, c'est ouais un ornement pour ombre et lumière qui est pas incroyable, hein, pour le coup. Ce qui est intéressant pour le coup, je crois que je l'avais en ornement d'ombre et lumière. C'est un fusil automatique, c'est ça. Aube brumeuse. Alors, celle-là, c'est pour l'avènement, donc je crois que on l'a donné gratuitement. Je sais pas si avec le prix Twitch Prime ou autre chose. Le métal, il y a celui-là, mais je crois qu'il y en avait encore un dernier. Mais je. Ouais, c'est ça. Chrome futur. Ouais, ouais. C'est stylé celui-là. Bon, très bien. Ben on est bien là comme ça tout de suite. Ce qu'on va faire, mesdames et messieurs, c'est que on va s'arrêter là. C'est mieux parce que d'avoir une vidéo pas extrêmement. Ah putain, il y a la bannière de fer, c'est pour ça que ça brûle ici. C'est mieux, je pense, de faire une vidéo qui est pas extrêmement longue parce que comme ça vous permet de voir un petit peu quelle est la quête finale du pass saisonnier, même si vous n'avez pas terminé. Et puis voilà. Tout ça la dingue. Bonjour, je m'attendais pas à voir ça à votre tronche, monsieur. Mais ouais. Oui, oui. Si t'étais si grand gay qu'il fallait user carte de lumière, ah oui, d'accord. Regardez, voyageur, c'est le soleil dont nous avons besoin, d'accord. Votre ami le ruffian affirme que rien ne tue plus vite qu'un gardien qu'un autre gardien, il n'a pas tort. L'orgueil a renversé l'esprit tutélaire là où nous avons échoué, d'accord. Il a pillé nos terres tandis que nous rassemblions pour. Écoutez des parasites. Prenez garde de ne pas finir sa proie ou ce ne sont pas les ténèbres qui viendront vous chercher. Ok, très bien, intéressant. Ok. On sait la barrière de fer. Hein. J'ai la flemme d'aller à la barrière de fer de toute façon à chaque fois. Donc bon, on verra, mais... Bref. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. C'était Oscur. Salut !